C'est un film tchèque, Taking Off. C'est vraiment un film. Il a gardé son souci de l'observation, du détail, de tourner dans des décors vrais. Et en même temps, on était tous les deux déjà adultes. On avait 37 ans, 38 ans. Donc, on n'était pas du tout de l'âge des jeunes hippies. On était du côté des parents, plutôt de l'âge des parents. C'est pour ça que le film est centré sur les parents, plus que sur la jeune fille qui s'en va. Et on a fait des explorations extraordinaires à New York. Pendant des mois, on a rôdé partout, on est allé on sonnait à la porte des gens qu'on ne connaissait pas, en leur disant, voilà, nous préparons un film, est-ce que vous connaissez des Runaway Kids? Et tout le monde avait quelque chose à nous raconter. Et le scénario s'est construit comme ça, peu à peu. Et j'ai revu le film aujourd'hui, il est très bien, j'aime Oui, c'est beaucoup. très bien, très bien. Ah oui, il est très C'est drôle bien. encore, Oui. Oui. Il a eu une projection, là, il y a 2 ans, au Festival d'Angers, les gens étaient fous de bonheur, c'est vrai. On était tous les deux pères de famille. On n'était plus des jeunes. Mais enfin, on était encore assez jeunes pour avoir des aventures, pour avoir des... Mais il y avait une règle absolue parce qu'on avait avec nous un flic, un agent de police américain, en civil, spécialisé dans les problèmes de drogue. Et il nous disait, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais méfiez-vous des underage. De ne pas coucher avec des filles mineures de moins de 18 ans. Ça, la loi américaine ne le pardonne pas. Donc, on s'est tenu très sagement à notre travail.